Je viens juste d'arriver. Il y a beaucoup de pays étrangers en FM, il y a des soucis, heureusement, mais malheureusement, il y a des gens comme vous en FM, c'est là, il n'y a plus beaucoup. Peut-être d'abord en Irlande, mais il y a beaucoup de pays étrangers, Irlande, Écosse, Angleterre, Suède des fois. Pour arriver à parler français, c'est pas évident, c'est autre chose. Voilà, hein, je renvoie le micro sur Louis, oui, retour. Break. Nico, de la part de Dandy 33, voilà 14 km 33 01, et ben je suis en train d'arriver sur Saint-Émilion. Ok, bonsoir Rémi 73. Moi j'avais lancé quelques appels à 18h05, 18h10. J'ai cru tirer personne. J'avais ramené Florent de Galgo avec moi. Bon là il a dû passer QRT. Écoute, j'espère que tu te portes bien, d'accord, Saint-Émilion. Écoute, là ça passe bien, il n'y a pas de souci. Bon, on n'est pas loin. Mais ça passe très très bien, belle radio, comme d'habitude. Ok, bah tu m'étonnes. Attends deux secondes, je relâche, je reprends. Ah, meilleur Rémi. Voilà, est-ce que là ça passe pas trop, j'espère que ça passe pas trop fort comme ça de ton côté. Oui, les 73 de la station. Voilà, là je suis en. Je dois avoir quoi 4-5 watts là, c'est tout là, pas plus. Je voudrais pas gêner le QSO qui est en cours là derrière. Car Nico, tu as un QSO derrière qui n'arrive pas là de mon côté. Mais j'ai vu la vidéo, là, le direct qui est en ce moment là sur Facebook de Daniel. Attends, Papa 22. Voilà, je viens de passer le rond-point, les 73 à tous, je viens de passer le rond-point là, de Saint-Émilion, et je suis bleu, c'est le cas de le lire, ils sont justement là au rond-point, et attends, ça fait 2 ans là que je viens de ce côté-ci, là, bosser là sur, là pas loin d'un côté de Saint-Émilion, et c'est la première fois que je les vois là faire des contrôles à ce rond-point, quoi. Ah, chie trois coups. Effectivement, ah bah ouais, bah tu m'étonnes, et puis avec cette histoire de couvre-feu là, il en profite pour se mettre sur les points stratégiques quoi. Ok Rémi, bon bah j'ai baissé la puissance là, je suis à 50 watts modulés, voilà 50 watts modulés. Il y a l'ami Florent de Galgo là qui est avec nous Rémi, retour Florent. Ok, mais je suis noyé de l'écureuil, je sais pas si tu m'entends Rémi, hein. Les bons chiffres, il y a longtemps je t'ai pas eu, mais ça fait vachement plaisir quoi. Les bons chiffres de Florent Galgon. Ok Florent, si je passe pas assez fort de mon côté, bon pas de problème, hein, tu me le dis, hein, je rallume la chaudière, vu que tu as des QRM. Là j'ai tout coupé là, pour être simplement à 4-5 watts, hein, car il y a Daniel Senteur 14 km 33-08 ou 6, oh je sais même plus, ouais. 6 je crois.
je me mélange, qui est en QSO justement derrière, en FM. Voilà, avec d'autres stations. Donc voilà, c'est pour ne pas les déranger que je suis là quasiment presque au mini-midi. Ok, bah moi j'entends pas hein, derrière. Je sais pas si tu entends quelque chose, Nicolas. Moi je les entends pas, les QSO derrière, je n'entends pas. Ok, je reprends. Négatif, hein, le QSO qui est sur le bord de l'aide, du coup là je ne l'entends pas non plus. J'ai essayé en FM et en AM tout à l'heure et c'est pareil, j'entendais pas. J'ai vu effectivement que Daniel avait mis en direct là, avait fait le live pour le QSO du soir là, sur son Facebook. Mais j'entends, mais même pas chuchoter quoi. Rien de rien. Ce qui s'appelle rien. Ok. Florent, tu l'entends comment là, Rémi, du coup? C'est pas fort, mais je l'entends. Et après, moi, ce qui est désagréable, c'est que j'ai des QRM, quoi. Mais ça, le soir, le matin, j'en ai pas, le soir, j'en ai, toi. Mais je l'entends, là, Rémi. Ok, bon, apparemment le QSO doit être terminé de leur côté. Hein. Ok, donc pour que ce soit un peu plus comestible de ton côté, j'ai rallumé. Voilà, ok. Bon, je regarderai un peu la suite de la vidéo là tout à l'heure. Hein, parce que là, je suis pas loin du pont là. Voilà, ok. Mais Florent, pour ma part, tu sais, quand il n'y a pas de propague de ça, ben, je reste pas à attendre. Je reste pas à attendre au BLU inutilement. Je bascule du côté des 40 canaux et tu serais surpris de voir le monde qu'il y a de ce côté-là. Je vois tous les matins, par exemple, ça arrive même parfois à partir en cacophonie là sur le 19, par exemple. Donc oui, il y a du monde, hein, c'est certain. Mais Rémi, t'as allumé la centrale nucléaire, là, c'est comme si t'étais à côté de moi, dis donc. Putain, c'est impressionnant. Oui, hachis trois coups, oui. Oui, il n'y a pas de problème. Attends, voilà, j'ai fait des appels de phare à quelqu'un qui m'a fait signe. Voilà, là, je suis pas loin du pro, quoi. Et j'ai quelqu'un qui m'a reconnu, quoi. Hachis trois coups. Les 73, Stéphane, il n'y a pas de problème. Oui, ben voilà, c'est pour ça, là, tout à l'heure, j'avais tout coupé, justement. Alors là, j'ai rigolé parce que je démarre, là, de chez moi. Bon, j'allume et tout, ça, tac. Et d'un seul coup, tu me dis, de toute façon, Rémi, certainement derrière, je verrai la vidéo. Je venais juste d'arriver sur le QSO, sur le canal, que je n'avais pas encore lancé de break. Alors oui, effectivement, quand j'ai vu qu'il y a eu du monde, j'ai aussitôt démarré là, une petite vidéo, là qui est en cours d'ailleurs actuellement. Attends, je dis bonjour à quelqu'un en même temps en passant. Salut, voilà, bon week-end. Voilà, ok, bon, ben, c'est bon, j'ai plus personne là sur le site. Et j'ai encore quelques minutes, là c'est bon. Là j'ai encore, il est bientôt moins le quart. Allez, on va dire, j'ai jusqu'à moins 10, là c'est bon. Alors, il y a Florent de Galgon, il y a Nico de Libourne, je crois qu'il y a une autre station derrière, non, ou alors c'est toi qui viens d'arriver, je sais plus. Oui, Florent, ouais, je te disais, du côté, là, en ce moment, là, depuis ces dernières semaines, Là, en ce moment, là, sur le 19, il y a du monde. Hein. Il y a pas mal. Il y a plusieurs mobiles. Il y a, je crois qu'il doit y avoir. Comment c'est déjà? J'ai oublié son prénom. Qui est sur le nord-est là, de la Dordogne. Je ne sais plus.
Je sais plus. Bon, ça ne me reviendra pas, c'est pas grave. Il y a du côté 24, tout ça, il y a de plus en plus de monde en mobile. Hein. Ben oui, parce que là, à chaque fois, là, quand je rentre le matin, ça, je les entends, j'arrive au QRA, le temps de faire mon sac, de poser des affaires, j'allume vite fait la station là sur le 19, et ça y va. Hein. Donc Florent, si tu n'entends personne en haut, eh bien, n'hésite pas à redescendre du côté des 40 canaux, car c'est là que ça module. Ben, retour Florent, parce que je crois que Stéphane, c'est toi qui ne l'as pas reconnu. 73 Stéphane, hein, Florent Galgon, voilà. Mais là je t'entends vachement mieux hein, depuis quelques minutes, Rémi. Hein, ouais, bah, t'as mis la patate, comme on dit, hein, donc là il n'y a pas de souci. Mais Stéphane, ouais, mais t'es noyé dans les QRM, mais si tu m'entends, je t'envoie des bons chiffres, Stéphane, retour. Ok, Florent, opérateur Stéphane sur 13, ouais, j'entends, signal de 3-4, radio de 4-5, sans problème, hein. Ah, je suis peut-être noyé dans les QRM, mais bon. Je vais revenir sur 19, bientôt c'est prêt, le poste affecté au 19 va arriver la semaine prochaine, dès qu'un électrique pas trop, on le réserve pour USB, parce qu'en FM ça va, mais en AM c'est pas ça. Donc je préfère avoir un poste pour les... J'irai faire un tour sur l'AM, j'irai faire un tour, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Sinon, il y a du monde aussi, 235 en USB, des fois le soir, il y a François, et il y a un autre opérateur à 1000 pattes, qui a des fois il stationne sur ça, vous êtes très sympa. Ah bah tu m'étonnes. Chez moi, n'importe quoi. Là où je suis, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Des vignes avec tous les fils de fer, que je veux dire une connerie, avec tous les fils de fer qu'il y a de tendu dessus, qui me font des radios pour l'antenne. Alors oui, ça passe à donf. Oh putain. Bon, j'ai précisé, c'était une connerie, j'allais dire. Autrement, un décamétrique, hein, tu sais, quand il... ce que je vais dire, c'est parce que j'ai déjà entendu quelques fois de d'autres stations. Peu importe, on n'est pas là pour citer des noms, ni pour faire de procès à qui que ce soit. Mais le fait, avec un décamétrique, de descendre en AM n'a jamais mis en panne un poste. La preuve, mon Yazu, la FT450, hein, pourtant j'en fais beaucoup de l'AM avec, hein. Il n'a jamais eu aucun problème. Et ben tiens, à propos de poste, là récemment j'ai récupéré là, mon CRT la 7009. Eh ben, histoire de changer, pas que j'ai des soucis avec le Yazu, bien au contraire, hein, il fonctionne toujours aussi bien. Mais l'envie de changer, c'est le 7009 qui va tourner à la place. Le Yazu, je vais le garder pour faire du SWL sur Bandera et radiodiffusion, là qui est tout en bas, car j'aime bien descendre sur les 1 méga et quelques par là, là en AM, il y a pas mal de radiodiffusion de ce côté-là. Donc lui me servira à ça. Et le 7009, je vais le fixer par-dessus le Yazu, sans faire de trous, hein, simplement par les molettes là sur les côtés. Alors étrier d'un côté pour le 7009, équerre de l'autre pour le Yazu, et il va venir se mettre directement sur le Yazu. Ce qui fait que déjà pour certains au niveau des vidéos, ben, ça fera toujours plus CBI. Mais bon, c'est pas l'argument premier hein, pour lequel je fais le changement. C'est vraiment parce que j'ai récupéré le 7009, parce que l'envie de changer. Je me suis aussi lassé d'avoir le fait d'avoir un décamétrique. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je le garde quand même. C'est juste ça, quoi. L'envie de changement, d'être plus orienté CBI au niveau matériel. Malgré que tout ce qui est 7009, Lincoln, 6009, 919, tout ça, c'est quand même des postes diamateurs 10 mètres. Hein. C'est RCI, tout ça. Mais bon, ils sont plus dans l'esthétique orientée CBI. Quoi. Retour Thierry, et 49, ouais, je vais pas tarder à y aller. Stéphane, je me suis trompé de prénom. Le Yazu, parce que je suis aussi avec un 450 de chez Yazu.
Non, 25 watts. En AM, micro d'origine, puissance maxi, c'est-à-dire 100 watts BLU FM, ça te donne 25 watts AM. Ah ben, toutes les stations qui m'ont entendu, avec qui je module en AM avec, m'ont jamais signalé aucun problème. D'autant plus que, en plus de ça, j'ai un micro préampli, un vieux PAN ECM, ECM 2018 derrière, et il n'y a aucun problème du tout avec. Alors par contre, au niveau des cas métriques, hein, le truc qu'il faut savoir, c'est que c'est pas leur terrain de jeu préféré, là, eh ben. Je veux dire par là que autant un poste de CB en AM aura une modulation percutante, qu'un poste des cas métriques en AM sera plutôt manquera de punch. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. C'est son terrain favori, de toute façon, c'est vrai, hein, décamétrique, c'est plutôt la BLU. Et le travail est plutôt fait là-dessus au niveau des fabricants. Alors que l'AM, non, pas trop. Bonsoir madame. Voilà, alors que l'AM, pas trop. Voilà, je suis rendu, j'ai la cliente là qui est en vue. Les 73-51 tous. Merci Paul QSO, à la prochaine. Ok, Rémi, bien content de t'avoir réentendu. Et puis, ben, écoute, à bientôt, et puis bon pro. Hein. Voilà, moi, je passe au QRT aussi. Donc, je vous dis, Stéphane, Nicolas, à bientôt. Et puis, bonne soirée à vous. A plus, retour au Nicolas. Ok, 73-51, Rémi, bonne soirée pour le pro, bon courage. Et au plaisir de se recroiser sur les ondes. 73, Florent, on se tient au courant là pour des petites sessions PMR, si tu veux aussi. Bonne soirée à toi. Stéphane, je ne sais pas si tu m'entends. Voilà, 73 de vive voix. retour Stéphane. Oui, ok Nicolas, si je t'entends. Signal, j'ai pas fait gaffe, j'en fous. Signal entre 3 et 4, nouvelle radio 3 voire 4. Voilà. Oui, je t'entends, pas de problème. Non, mais c'est pour ça que j'ai acheté un autre poste pour elle. Voilà. Actuellement, mais j'ai une petite préférence, je te vois, pour 495, tu vois.
c'est ça. Ben, merci à toi d'être passé là pour le petit QSO du 32 des Kilomike. Je te souhaite une excellente soirée, les bons chiffres, et puis au plaisir de se recroiser. Bye bye. Bye bye Nicolas, bonne soirée, bon appétit, continue à bouffer.